إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc la semaine passée on avait expliqué, on avait parlé de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-istiwa, et aujourd'hui donc on continue, et aujourd'hui c'est le dars numéro 16 dans al-aqidat al-wasitiya avec le sharh de Sheikh al-Fawzan. Donc on continue à parler de ce point-là également, mais on va ajouter quelques clarifications au sujet de la position des salafs vis-à-vis de cet attribut-là et de l'attribut, des autres attributs également que les gens de Bédah ont nié à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a parlé de l'Athar de l'imam Malik, dans lequel l'imam Malik a dit « Al-istiwa'u ghayru majhoul » والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. Et il y a beaucoup d'autres versions de cet athar de l'imam Malik, الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Donc il y a beaucoup de différentes versions qui tournent tout autour de la même signification. Et on avait expliqué que cette parole-là avait également été rapportée selon l'imam Rabi'a al-Ra'i, ça c'est le cheikh de l'imam Malik, ça c'est le cheikh de l'imam Malik. Donc ça c'est, cette citation-là, ça signifie que, en fait on avait expliqué que c'était un homme qui était rentré dans la halaqa, dans le dars de l'imam Malik, al-Madina, dans la ville de al-Madina al-Nabawiya, et il est rentré et il a trouvé l'imam Malik en train d'enseigner à ses élèves. Et il est venu et il lui a dit, Ya Abu Abdurrahman, ou Ya Abu Abdullah, je pense que c'est Abu Abdullah, sa kunya, et il lui a dit, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, kayf istawa? Quand tu dis que Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, s'est élevé au-dessus de son trône, comment il s'est élevé? Il a demandé al-kayf, il a demandé le comment. Alors l'imam Malik, il s'est mis en colère, s'est fâché. Il est venu, il a commencé à avoir le visage rouge de colère à cause de ça. Et là, il a baissé sa tête, puis il a levé sa tête, puis il a dit « Al-istiwa ma'loum ». Al-istiwa, c'est connu. Ou il a dit « Al-istiwa ghayr ma'qoul ». C'est-à-dire, tu ne peux pas le comprendre avec ta tête. Tu comprends? Et tu ne peux pas le savoir comment non plus. « Wal-kayf majhoul ». Le comment, tu peux pas le savoir, yani voilà qu'il y a l'istiwa ma'loum. L'istiwa, on le connaît dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire, on sait sa signification. Les arabes utilisent ce mot-là et on sait qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas un mot en chinois ou en italien ou en grec, c'est un mot arabe. Donc il est connu. Wal-kayf majhoul, c'est le comment qu'on connaît pas. Pourquoi? Parce que on connaît pas d'Allah excepté ce qu'il nous a décrit à propos de lui-même. Donc on ne peut pas demander le comment à propos de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est obligatoire d'y croire, tel qu'il nous l'a dit, puisqu'il nous l'a révélé. Il ne nous l'a pas révélé pour rien, d'accord? C'est pour qu'on y croit. Et de poser des genres de questions, des questions de ce genre-là, c'est des innovations dans la religion. Parce que les sahabes n'ont jamais posé des questions de ce genre.
ils n'ont jamais essayé de comprendre le comment et à connaître le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on a dit, l'imam Rabi'a al-Ra'i, il a également répondu de cette façon-là à cette question. Et le Cheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbad, il a écrit un livre justement sur cette apparence, sur cette parole de l'imam Malik, et il a ramené, yani, beaucoup d'explications à ce sujet-là. Il a ramené toutes les différentes narrations qui sont rapportées au sujet de l'imam Malik à ce sujet-là. Il a expliqué sa signification, puis par la suite, il a donné des exemples, des citations d'autres imams que l'imam Malik, d'autres imams qui ont répondu des paroles qui sont toujours autour de la même signification que cet athar. D'accord? Et on va en lire quelques-unes pour voir que la position des salafs est toujours unanime au sujet de cette question-là, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah. Et en même temps, c'est pour réfuter les gens de Bid'a, parmi les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiyah et les autres qui ont dévié dans les noms et les attributs d'Allah, pour qu'ils sachent que c'est pas vrai que la position des salafs c'est At-tafwid al-mutlaq, c'est-à-dire de nier la signification des attributs d'Allah, hein, et de dire qu'on ne peut pas les comprendre. Ça, c'est une fausse attribution. De dire que les salafs avaient cette position-là, c'est un mensonge. C'est une fausse attribution d'attribuer ça aux salafs, parce que leur position, c'était pas de renier la signification des attributs, mais c'était plutôt de renier le comment à propos des attributs. Tandis que la signification, ils n'ont jamais renié. Au contraire, même, ils l'ont expliqué. Ils ont expliqué les significations des attributs d'Allah telles que c'est compris dans la langue, sans aucun problème. Donc, on va mentionner quelques exemples. Donc, par exemple, il donne ici le cheikh un exemple de Al-Khatib al-Baghdadi qui a mentionné la même attar, mais wa alaykum salam wa rahmatullah. Mais il a mentionné l'athar à propos d'une autre des attributs, c'est-à-dire al-nuzul, hein, parce qu'on sait qu'une des attributs d'Allah, c'est qu'il descend au dernier tiers de la nuit, et il demande qui veut m'invoquer pour que je le pardonne, pour que je lui pardonne, qui veut demander pardon et qui veut me demander pour que je lui donne ce qu'il veut que je lui donne, etc. Donc ça c'est un moment de la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala descend, et quand quelqu'un a demandé à cet imam, Al-Khatib al-Baghdadi, à propos du nuzul, kayfa yanzil, hein, ou bien, fan nuzul, kayfa yakunu wa yabqa fawquhu ulu, est-ce que, comment il descend, ou des choses de ce genre, alors il lui a répondu, al-nuzul, hein, ma'qul wal kayf majhul, wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Il lui a répondu de la même façon. C'est-à-dire, al-nuzul, on le connaît, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe, nous autres c'est bien connu, ça veut dire descendre. Wal kayf, le comment, on ne le comprend pas et on ne le connaît pas. Wal iman bihi wajib, c'est obligatoire d'y croire et de poser la question à ce sujet-là, de demander le comment, c'est une bid'ah, tu vois. Donc à propos de tous les attributs d'Allah, hein, qu'on peut pas connaître la réalité de ces attributs, on peut répondre de la même façon que l'imam Malik a répondu au sujet de n'importe quel attribut, que ce soit la main, que ce soit la vue, que ce soit les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les autres attributs qu'il s'est décrit, par lesquels il s'est décrit dans le Coran, ou bien par les paroles de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahi yuha. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de son propre gré, selon ses désirs. Il donne uniquement les paroles qui lui viennent selon la révélation. Donc, s'il parle à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas parler sans connaissance. Il parle uniquement selon qu'est-ce que Allah lui révèle. Et il parle à propos d'Allah toujours de la meilleure manière. Et Allah subhanahu wa ta'ala se décrit de la meilleure manière également. Et huwa asdaqu haditha, celui qui est le plus droit en parole et le plus honnête en parole. Ensuite, le cheikh il dit que cet attar était mentionné par l'imam al-Zahabi, et l'imam al-Zahabi a mentionné à la fin de cette citation là, il dit sadaqa faqih Baghdad alim wa alimuha fi zamanihi, il dit su'al an an-nuzul ma huwa ayyun لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة
وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية نعم واضحة للسامع، فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف، وكيفية ذلك مجهولة عند البشر، وكان هذا الترمذي من بحور العلم ومن العباد الورعين، مات سنة 95 و200. Donc le cheikh il parle en parlant de l'imam Khatib al-Baghdadi, il dit que al-Khatib al-Baghdadi a dit vrai lorsqu'il a répondu de cette façon-là. C'était un des grands imams de son époque. Parce que la question à propos du nuzul, de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on demande le comment, il dit ça c'est une fausse question, c'est une question qui est incorrecte, on n'a pas le droit de la poser. Parce que habituellement quand on pose une question, on pose une question à propos d'une parole ou d'un mot qui est étrange ou qu'on n'utilise pas, d'accord. Si quelqu'un te parle en arabe et te dit un mot que yani, personne n'utilise en temps normal dans la langue arabe et que c'est seulement un mot qu'on va utiliser dans la poésie ancienne pré-islamique, et bien, si je vous commence à vous citer des vers en poésie arabe, peut-être que yani, vous n'allez pas comprendre rien de ce que je dis, d'accord, parce que la langue arabe a changé. Hein, et je me souviens qu'on a appris à Médine, on avait appris un poème, ça disait وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما أخي جفوة فيه من الإنس وحشة يرى البؤس فيها من شراسته نعما وأفرد في شعب عجوزا إزاءها ثلاثة أشباح تخالهم بهما حفاة عراة ما ارتدوا خبز ملة وما عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. Des poèmes comme ça, c'est dans les poèmes de l'Jahiliya. Les Arabes pourraient lancer ça comme si rien n'était, mais aujourd'hui on a besoin des dictionnaires pour les comprendre et pour les interpréter, d'accord. Donc c'est pour dire que Al-Nuzul, par contre, tout le monde arabe, tout le monde connaît même aujourd'hui. Si quelqu'un dit Nazala, tout le monde sait qu'est-ce que ça dit Nazala, pas besoin d'un dictionnaire pour le comprendre, d'accord. Donc c'est juste pour dire que yani, on demande à propos des mots qu'on ne connaît pas, pas à propos des mots qu'on connaît. Et donc, sinon, le cheikh dit sinon, al-nuzul, la descente, la parole, l'ouïe, la vue, la connaissance, al-istiwa, le fait de monter hein, et de s'élever, tout ça c'est des paroles claires et comprises par toute personne qui les entend. Hein. Et si celui qui n'a personne qui lui ressemble se décrit par ces attributs-là, alors ça veut dire que son attribut elle ne ressemble pas à celle de sa créature. Parce que Allah, mais ça qu'il met le richey, il n'y a rien qui ressemble à Allah. Donc, quand tu lui attribues ces attributs-là, tu ne fais pas de ressemblance dans ta tête et tu n'imagines pas ces attributs-là. Si quelqu'un a compris ça, il a compris la question de l'asma wa sifat. Hein, il ne peut pas s'égarer dans la question de l'asma wa sifat. Il est sauvé de l'égarement des gens de bid'ah. S'il a compris ce point-là seulement. Inch'Allah. Donc, le cheikh il dit, mais, donc, par exemple, si je dis la main d'un être humain, c'est la main d'un être humain. Et si je dis la main d'Allah, c'est la main d'Allah. Ok? Et la réalité de la main de l'être humain, c'est la réalité d'une main créée. Tandis que la réalité de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, n'est pas créée puisque c'est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. D'accord? Et elle convient à son être et à sa personne et sa majesté, d'accord. Donc il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de ressemblance. Si on dit par exemple al-wajh, le visage, hein, ou la face, Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage, il a une face, et l'être humain il a une face, et les animaux ils ont une face, et on peut dire même que l'immeuble elle a une face, et la pièce de monnaie elle a une face. Est-ce que toutes ces faces-là ont des réalités qui sont semblables? Chacun a une réalité qui convient à ce qu'elle est et qui s'applique à elle. Et donc, il n'y a aucune ressemblance entre ces faces-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il est différent de toutes ces créatures, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il dit que, donc, cet imam,
hein, de Bagdad, il était un parmi les grands ulama, parmi les océans de science, et parmi les grands adorateurs, il est mort en l'an 295, rahimahullah. Et yani, après il mentionne d'autres citations également, de d'autres imams, et là on va mentionner d'autres paroles, comme par exemple le cheikh il dit, « قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله روى الإمام روى أبو بكر بن الخلال أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت دونك الإمام مالك قال ذكر الإمام أبو بكر بن الخلال أبو بكر الخلال سي أن دي بلو غران كومبانيون دي الإمام أحمد D'accord. Il a écrit un livre qui s'appelle As-Sunnah, hein, comme la plupart des grands imams de l'islam de l'époque de l'imam Ahmad, avant et après lui, ils ont, la plupart d'entre eux ils ont un livre de Aqida qui s'appelle As-Sunnah. Et donc parmi ces livres-là, il y a le livre de Al-Khalal. Et il est publié, même il est disponible dans les librairies, dans les pays musulmans, vous pouvez le trouver. Al-Khalal, c'est le compagnon de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Naam, imam Al-Sunnah. Donc il a rapporté, Al-Khalal est rapporté selon l'imam Al-Auza'i, qu'on a posé la question à Makhoul et à Zuhri, deux parmi les imams des salafs, au sujet du tafsir des hadiths qui parlent des attributs d'Allah. Ils ont répondu, Amirruha kama ja'at. Ok, ils ont répondu, c'est-à-dire, laissez-les passer tels qu'ils sont. Hein, acceptez-les et prenez-les tels quels. C'est-à-dire, faites pas des fausses interprétations et déformez pas leur sens comme les Jahmiyyah. Parce qu'à leur époque, à l'époque de ces imams-là, c'était les Jahmiyyah qui faisaient la fitna. Ils niaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, alors ces imams ont répondu à ces questions-là en disant, Amirruha kama ja'at. Laissez ces textes-là dans les hadiths et dans les versets tels qu'ils sont. Et n'essayez pas de déformer leur sens comme font les Jahmiyyah et les Mu'tazila. Hein? Ensuite, le cheikh dit, وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت. Encore une autre fois, une narration selon Al-Walid ibn Muslim. Il a dit, j'ai demandé à Malik ibn Anas et Sufyan al-Thawri et à Layth ibn Sa'd et à Al-Awza'i. Tout ça, c'est des imams. L'imam Malik, on le connaît. C'est l'imam d'Al Hijra, celui qui a écrit Al-Muwatta. Hein? Sufyan al-Thawri, c'est un des imams au même degré que l'imam Malik. Et l'imam Al-Layth ibn Sa'd, hein? Et ben, c'est également un des plus grands imams de l'islam. Hein, l'imam Shafi'i est parti, il a étudié avec l'imam Malik. L'imam Shafi'i, il a étudié avec l'imam Malik, il a appris sa muwatta. Ensuite, quand, par la suite, il a quitté l'imam Malik, il est parti en Égypte pour étudier avec l'imam Al-Layth ibn Sa'd à la même époque. Mais, sauf que lorsqu'il est parti en Égypte, quand il est arrivé, l'imam Al-Layth était décédé. Hein? Alors, il a étudié avec ses élèves. Il a étudié avec les élèves de l'imam Al-Layth. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai trouvé que l'imam Layth ibn Sa'd était plus fort dans le fiqh, afqah, min al-imam Malik. Donc ça veut dire, c'est des grands imams qu'on parle. Si on compare par rapport yani, à cette époque-là, yani, c'était des montagnes de science, des océans, comme on dit. Hein? Après, il parle de Al-Awza'i. Également, ça aussi, c'était un des grands imams. Et lui, il était dans, à la même époque que l'imam Malik, il était en Syrie, dans la partie de Hacham. Et donc ça, c'était les imams de l'époque. On leur a posé les questions à propos des sifats, parce que la fitna des Jahmiyyah commençait à cette époque-là, elle commençait déjà, elle était déjà commencée. Donc, quand on leur posait les questions à propos des sifats, eh bien, ils répondaient, ils disaient, Amirruha kama ja'at, prenez-les tels qu'elles sont, les textes tels qu'ils sont, et ne les déformez pas, ne changez pas leur signification. Et même la athar de l'imam Malik qu'on a mentionné au début, à propos de l'homme qui est venu pour poser la question, à propos de comment Allah s'est élevé, eh ben, c'était également, la base de cette question-là, c'est à cause de la fitna des Jahmiya et des Mu'tazila aussi, qui niaient que Allah était au-delà de son trône. Hein. Eux, pour eux,
ces choses-là c'était symbolique, il ne faut pas y croire tel quel. Tout ce qui est écrit dans le Coran à propos d'Allah, à propos de ses attributs, il ne faut pas l'accepter, il ne faut pas le croire tel quel. C'est des choses que Dieu nous raconte, mais il ne faut pas croire que c'est la vérité. C'est juste symbolique selon leur explication, et c'est pour ça qu'ils déforment le sens pour donner une autre signification à ces versets-là. D'accord? Donc, ensuite, le cheikh dit « Wa fi riwaya, qalu amirruha kama ja'at bila kayf » Dans une autre narration, ils ont dit « Prenez-les telles quelles, sans comment », c'est-à-dire sans dire « comment ». Et donc, ça c'est quelque chose qui est important de comprendre, parce qu'il y a des gens de Bédard aujourd'hui qui prennent ces citations-là des imams de Ahl-Sunnah, parmi les, par exemple les Asha'ira, les Ahbash et les autres, et ils essaient d'interpréter ces citations-là pour, en voulant dire « Amruha kamadja », ça veut dire « Prenez-les telles quelles, on ne connaît pas leur signification ». C'est pas ça que ça veut dire, parce que les imams à leur époque, eux ils étaient en train de réfuter les Jahmiyyah, et eux les Jahmiyyah c'était des gens qui niaient ces attributs-là, et ils essayaient de déformer le sens des attributs pour leur donner une autre signification. Par exemple, les Mu'tazila, ils disaient, Allah, quand il dit qu'il est au-delà de son trône, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de son trône, mais ça veut dire plutôt qu'il a conquéri ou qu'il a pris le contrôle de le pouvoir sur son trône. Donc les salafs répondaient à ça en disant Amirruha kama ja'at. Et ils disaient, comme on va voir tout à l'heure, yani tafsiruha tilawatuha. C'est-à-dire, leur interprétation, c'est de les réciter telles quelles. Parce que c'est clair, leur signification est claire dans la langue arabe. Pas besoin de jouer avec leur sens. Bila kayf, donc, Amirruha kama ja'at, c'était pour affirmer les attributs, c'était pour dire croyez en ces attributs-là et affirmer leur sens. Et Bila Kayf, c'était pour nier le tashbih. C'était pour nier le tashbih et pour nier également les gens qui font le takyif, qui essaient de faire des comparaisons entre Allah et sa création. Ensuite, il dit Wa qawluhum radiallahu anhum amiruha kama ja'at, raddun ala al-mu'attila. Donc, ça, comme j'expliquais, amiruha kama ja'at, c'était une réfutation pour les mu'attila, ceux qui font le ta'til, c'est-à-dire qui nient les attributs d'Allah. Ils les nient soit directement ou indirectement. Il est mis directement en disant non, ça c'est pas vrai, ou bien on ne croit pas en ces attributs-là, c'est symbolique, ou bien en lui donnant, ou en disant qu'ils ne connaissent pas la signification, ou bien aussi en changeant la signification de ces attributs-là en disant par exemple ça veut pas, la main ça veut pas dire la main, ça veut dire le pouvoir, ou telle autre signification différente. Donc ils font des ta'wil comme ils appellent, qui est en réalité une déviation, une déformation. Et bila kayf, وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. Et quand ils disent sans demander le comment, ça c'est une réfutation des gens qui veulent faire des ressemblances entre Allah et sa création. Et eux ils les appellent, bien entendu on les appelle, eux ils les appellent, ils traduisent ça le mot mumathila, ils les traduisent comme en français comme disant, en voulant dire des anthropomorphistes ou des gens qui veulent faire ressembler Dieu à des êtres humains ou à des créature, Et donc, on sait que le tamthil, de faire ressembler Allah à sa créature, c'est interdit, c'est haram, et même que c'est shirk billah. Donc, c'est très dangereux. Et le shirk, donc, il essaie de faire comprendre que la position des salafs est entre la position des mu'attila et entre la position des mumathila. Ceux qui veulent nier l'attribut et ceux qui veulent faire ressembler Allah à sa création. Donc, on affirme sans nier, et on affirme sans faire de ressemblance également. D'accord? Et le cheikh il dit ensuite وَالزُّهْرِ وَمَكْحُونَ هُمَا أَعْلَمُ التَّابِعِينَ فِي زَمَانِهِمْ وَالْأَرْبَعَ الْبَاقُونَ أَئِمَّةُ الدُّنْيَا فِي عَصْرِ تَابِعِ التَّابِعِينَ وَمِنْ طَبَقَتِهِمْ حَمَّادِ بِنْ زَيْدِ وَحَمَّادِ بِنْ سَلَمَةِ وَأَمْثَالِهِمَا. Donc, le chef, il parle maintenant des gens qu'on a mentionnés, Az-Zuhri, et Makhoul, ce sont deux parmi les tabi'in. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont deux parmi les élèves des Sahaba, qui ont étudié avec les Sahaba. Donc, il dit que ce sont deux parmi les plus connaissants, les plus savants parmi les tabi'in, à leur époque. Et les autres quatre qu'on a mentionnés, alors Za'i, Malik, Layth et Sufyan al-Thawri, eh bien, ces quatre-là, ils disent, ce sont les imams de la dunya à cette époque. C'est à l'époque de qui?
des tabi'i tabi'in, c'est-à-dire les élèves des élèves des sahaba. Ok? Donc ça veut dire que c'était parmi les plus hauts dans les savants de leur époque. Et à leur niveau également, on compte Hamad ibn Zayd et Hamad ibn Salama et d'autres de leur catégorie aussi. Il y en avait des centaines de ulama à cette époque-là, pas comme aujourd'hui, on est limité à notre époque. Ensuite, le cheikh il dit وأورد أثر مالك وربيعة ثم قال قول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف. C'est-à-dire la citation de Malik et de Rabi'a qu'on a mentionné au début, hein, quand ils ont dit que l'istiwa est pas compris, on peut pas le connaître, yani on peut pas le comprendre, et al-kayf ghair ma'qul, c'est-à-dire on peut pas connaître non plus le, on peut pas connaître le comment, et d'y croire est obligatoire. Il dit ça, c'est en accord avec qu'est-ce que les autres imams ont dit en disant laissez-les passer tel quel sans demander le comment. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. Ils ont nié le commun, mais ils ont jamais nié la réalité de ces attributs, de l'attribut, qu'est-ce que ça signifiait. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. C'est-à-dire, si ces gens-là auraient uniquement c'est-à-dire ils auraient juste cru au mot sans croire au sens, c'est-à-dire ils affirment le mot, on dit ok, on croit au mot istiwa, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire, il n'a pas de signification. Donc si c'était juste ça qu'ils faisaient les salafs, sans comprendre la signification qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il n'y aurait aucun sens de dire al-istiwa ghair majhoul, l'istiwa n'est pas inconnu, et al-kayf غير معقول, et le commun n'est pas compris, ou n'est pas, on peut pas le comprendre, on peut pas le connaître. Donc ça prouve qu'ils avaient la compréhension et ils avaient la connaissance de qu'est-ce que ça signifie ces mots-là, sinon ils n'auraient pas nié, hein, et ils n'auraient pas dit que l'istiwa n'est pas connu, hein. ولما قالوا امروها كما جاءت بلا كيف, يعني le chef il dit فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما. Si par exemple il disait que ça veut qu'on comprend pas la signification des mots, donc ça voudrait dire que on comprend pas le mot, et c'est donc que ces mots là on doit les prendre comme des lettres ou des mots en langue étrangère, comme par exemple en chinois ou en araméen ou une autre langue inconnue que personne ne peut comprendre. C'est comme des mots étrangers, dans une langue étrangère. Mais ce n'était pas le cas. C'était des mots arabes. Et Allah, il a révélé son livre. Il dit, bilisan al-arabiyyin mubin, comme on l'a expliqué la dernière fois. Et ça, c'est pour répondre aux gens de tafwir, ceux qui disent qu'on ne comprend pas la signification de ces attributs-là. فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نَفْيِ الْعِلْمِ الْكَيْفِيَّ إِذَا لَمْ يُفْهَمْ عَنِ اللَّفْظِ مَعْنًا. On n'a pas besoin de nier le commun. On n'a pas besoin de nier le commun si on ne comprend pas la signification du mot. Hein? Si on ne sait pas qu'est-ce que le mot veut dire, on n'a pas besoin de nier le commun dans ce cas-là. Donc c'est ça que le chef il utilise ça comme argument. وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفة. يرحمك الله. On a seulement besoin de nier le commun si on comprend et on affirme la signification d'un mot. Mais si on dit on ne connaît pas la signification d'un mot, alors pourquoi nier le commun? C'est une contradiction, d'accord? C'est ça que le cheikh essaie d'expliquer. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. Donc il dit celui qui nie les attributs qu'Allah s'est donné, ou bien les attributs yani en entier, il n'a pas besoin de dire sans croire au commun, ou sans connaître le commun, sans commun yani, ou sans demander commun. فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. Celui qui dit Allah n'est pas au-dessus de son trône, il n'a pas besoin de dire sans comment, sans demander le comment, parce que justement il nie. C'est seulement celui qui affirme qui a besoin de nier le comment, al-kayf. Ibn Taymiyyah est en train de les bombarder là. Donc après il dit
فمن قال إن الله ليس معناه فلا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. donc si le madhhab des salaf c'était de nier les attributs hein, donc ils n'auraient pas dit بلا كيف. c'est ça que le cheikh explique. وأيضا قوله فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه. c'est-à-dire quand on dit أمروها كما جاءت prenez-les comme ils sont venus. ça implique que tu dois les laisser tels qu'ils sont et de croire en qu'est-ce qu'ils impliquent et en qu'est-ce qu'ils indiquent. يعني. فإنها جاءت ألفاظا دالة على معانٍ. ce sont des mots, hein, des mots et des termes qui sont venus et qui transportent une signification. فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمره لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة. donc c'est ça qu'est-ce que le cheikh essaie de faire expliquer de faire comprendre ici. il dit si c'était juste يعني le mot qu'on devrait accepter sans comprendre la signification, eh bien les salafs auraient dit accepter le mot sans croire à la signification que ce mot-là implique ou que ce mot-là implique hein. ils auraient clairement spécifié qu'il ne faut pas croire en la signification, mais ils n'ont jamais dit ça. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait aux sahaba Ar-Rahman ou Al-Arshistawa, est-ce qu'il leur disait ne croyez pas en qu'est-ce que ça veut dire? Croyez pas en la signification parce que hein, sinon vous allez faire un teshbih. Il n'a jamais dit ça une seule fois. On n'a jamais rapporté ça ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des sahaba. Donc, yani, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à des bédouins, il parlait à des gens qui ne sont pas éduqués, à d'autres qui sont éduqués, et il leur mentionnait à tous ces gens-là la même chose, sans avoir peur, alors dans ce cas-là, yani, c'est clair que la signification, il fallait l'affirmer, et eux, c'est ça que les salafs ont compris. Et yani, même aujourd'hui, yani, les gens sont capables de comprendre cette chose-là, même s'ils n'ont pas des gens aussi forts dans la langue arabe, mais c'est quand même facile à comprendre qu'il n'y a pas de ressemblance entre Allah et sa créature. Ensuite, donc, il dit, وَحِينَ إِذِنْ تَكُونُ نَعْمْ أَمِرُوهَ كَمَا جَاءَتْ فَلَوْ كَانَتِ الدِّلَالَةُ مُرَادْ أَمِرُوهَ كَمَا اوكي حَقِيقَةً حِينَ إِذِنْ تَكُونُ قَدْ أُمِرَتْ كَمَا جَاءَتْ وَلَا يُقَالُ حِينَ إِذِنْ بِلَا كَيْفْ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت له من القول إلى آخره. فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس وتسا لقعود الإمام أبو حنيفة. إذ قال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر فما ذكره الله في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف. لا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال. ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف. فهذه citation qui est claire de l'imam Abu Hanifa. il est mentionné dans شرح الفقه الأكبر de Moula Ali Qari, et il dit dans cette citation-là, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit dans le Coran, comme par exemple quand il mentionne le visage, les mains, hein, et son être, et il mentionne également d'autres attributs, tous ces attributs-là sont à lui, sont à Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'on cherche à comprendre le comment. Et on ne doit pas demander, on ne doit pas dire sa main c'est sa force ou sa grâce. Hein, comme les gens de Bid'a font aujourd'hui. Ils disent sa main, la main d'Allah c'est sa grâce, ou bien c'est sa force, ou sa puissance. Mais Anna fihi ibtal as-sifa, parce que quand tu fais ça, tu nies l'attribut, tu nies qu'il a une main. Hein? Sinon, si tu nierais pas qu'il avait une main, tu n'aurais pas besoin de faire ce ta'wil. D'accord? Donc l'imam Abu Hanifa, c'est ce qu'il dit ici, il dit fihi ibtal as-sifa. Dans le fait de faire ce ta'wil, de changer la signification de ce mot-là, puis de dire que c'est pas une main, mais c'est une force ou une grâce, alors tu nies l'attribut.
et il dit que ça c'est la parole des gens de Al-Qadar, c'est-à-dire Al-Qadariya et I'tizal, les Mu'tazila. Ça c'est des gens de Bid'a qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yaduhu sifatuhu. Sa main c'est son attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, bila kayf, sans demander le commun. Wa ghadabuhu wa ridahu sifatan lahu min sifatihi. Une sifatihi bila kayf. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, il a qu'il se met en colère et qu'il est satisfait de ses serviteurs. Et ça, c'est deux de ses attributs, sans demander le commun. Sans demander le commun. Quand Allah se met en colère, c'est pas comparable à sa création, comment, quand les créatures se mettent en colère. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait, c'est pas comparable non plus à comment ses créatures sont, satisfaits. Il est, il n'y a rien qui lui ressemble, c'est comme le Shaykh. Après, le Shaykh dit « Wa rawa al-Athram fi kitab al-Sunnah, haddathana Ibrahim ibn Harith, yani al-Abbadi, haddathani Layth ibn Yahya, qala sami'tu Ibrahim ibn al-Ash'ath, qala Abu Bakr sahib al-Fudayl, sami'tu al-Fudayl ibn Iyad yaqul, laysa lana an natawahhamu fi Allahi kayf wa kayf, li'anna Allah wasafa nafsahu fa'ablagh. فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا صفة أبلغ مما وصف الله به نفسه كذا النزول والضحك والمباهاة والاطلاع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يباهي وكما شاء أن يطلع كما شاء أن يضحك فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف إذا وإذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. Donc ça c'est une citation de Al-Fudayl ibn Iyad, un des salaf. Il a dit, on n'a pas à nous à essayer d'imaginer ou à essayer de comprendre le comment, hein, comment et comment. On n'a pas à demander ça. Parce que Allah il s'est décrit lui-même de la meilleure façon dans sa révélation, et il a dit surat al-ikhlas qul huwa allahu ahad, dit Allah c'est lui l'unique, allahu samad, hein, Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui vers qui toutes les créatures se tournent pour demander qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas d'enfant, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré lui-même. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et il n'y a rien qui lui est comparable ou égal. D'accord, il n'a pas d'écho. Donc, le cheikh il dit, donc Allah s'est décrit de la plus claire façon et de la façon la plus éloquente, la plus claire. Et parmi les choses qu'il s'est décrit également, il a dit qu'il descendait, qu'il descendait, et il a dit qu'il riait, et il a dit, il a mentionné deux autres attributs, c'est al-mubaha ou al-ittila', ça par contre je ne sais pas leur signification en arabe. Mais, j'ai une petite idée, mais je suis pas certain, donc je veux pas m'aventurer à le traduire sans comprendre comme il faut la signification. Et, mais toutefois, al-nuzul wa tahik, on le comprend. Et le cheikh, il dit justement que Allah, il descend comme il veut. Et, il rit comme il veut. Et, il dit que yubahi, comme il veut. Wa yattali, comme il veut, donc. On n'a pas besoin de commencer à essayer d'imaginer comment et comment. Hein. Et le cheikh il dit, et si par exemple un des Jahmis te dit, moi je ne crois pas ou je rejette la foi en un créateur ou en un seigneur qui descend de là où il est, eh bien tu lui réponds, dis-lui toi, moi je crois en un seigneur qui fait ce qu'il veut. Hein. C'est-à-dire, je crois au Seigneur qui fait ce qu'il veut. Allah, il dit dans le Coran qu'il est fa'alun lima yurid. Quand il veut parler, il parle. Quand il ne veut pas parler, il ne parle pas. Hein. Quand il veut rire, il rit. Quand il veut parler, il ne rit pas. Hein. Donc, il fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Et il a dit qu'il le fait. Et c'est pas nous. On ne l'a pas inventé à propos d'Allah. C'est Allah qui l'a dit à propos de lui-même. D'accord? Donc, il y a ça. Ensuite, il y a d'autres athars aussi qui sont mentionnés dans le même sens de différents imams parmi les imams de Ahl-Sunnah. Ok, puis il n'en a pas mentionné tellement, mais quand même, yani. On a mentionné qu'est-ce qui est suffisant d'après moi. Sinon, il mentionne ici une athar de l'imam Shafi'i,
il dit وروي عن الشافعي أنه قال لما سئل عن الاستواء قال آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض غاية الإمساك وعن أحمد أنه قال استوى كما ذكر ولا كما يخطر للبشر. Ça, c'est une autre citation. L'imam al-Shafi'i, il a dit, je crois sans faire de tashbih, sans faire de ressemblance, et également sans faire de comparaison. Et, yani, je sais pas de rentrer dans l'idrak, c'est-à-dire d'avoir une complète compréhension de ces choses-là, parce que, bien entendu, le commun, on peut pas le comprendre et on peut pas le connaître. Et je garde ma langue de rentrer dans des discussions à ce sujet-là pour pas tomber justement dans la fitna de commencer à nier ou à essayer de rejeter les choses qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Et également, ça a été rapporté selon l'imam Ahmad, qu'il a dit, Allah s'est élevé comme il l'a mentionné et pas comme les hommes peuvent imaginer. C'est-à-dire, il s'est élevé d'une manière qui convient à sa décrit, comme il se décrit lui-même. Donc ça c'est qu'est-ce que j'ai ramené pour expliquer les positions des salafs à ce sujet-là. Et puis donc, on va continuer maintenant à mentionner l'explication de l'imam Al-Fawzan, Cheikh Al-Fawzan. Maintenant on va continuer le chapitre où on est rendu dans les paroles de l'imam Ahmad ibn Taymiyyah. Et on est rendu à Isbat Ulouillahi ala khalqi, c'est-à-dire d'affirmer l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il est au-dessus de sa création. Il est au-dessus de sa création. On a mentionné la dernière fois les versets qui montrent qu'il est au-dessus de son trône. Maintenant, on va mentionner les versets qui mentionnent qu'il est au-dessus de toute sa création. D'accord? Et qu'il a comme attribut al-ulou, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout, et qu'il est Al-Ali, le Très-Haut. Hein? Et yani, également, bon, on connaît, je ne sais pas, vous connaissez sûrement le hadith de Al-Jariya, la jeune fille, la jeune esclave. Un des sahaba avait, il s'appelait Muawiyah ibn al-Hakam, il avait une esclave, et puis il l'avait mis responsable d'un troupeau, et pendant qu'elle était allée faire pâtre son maître, paître son troupeau, et ben je pense qu'elle s'est endormie, puis un des moutons s'est fait attraper par un loup ou quelque chose comme ça, un animal, donc elle a perdu un des moutons. Donc quand Muawiyah ibn al-Hakam a entendu ça, il s'est mis en colère et il l'a frappé au visage. Et étant donné qu'il a eu des remords de l'avoir frappé, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander comment il pouvait faire expier son péché, le fait qu'il a frappé son esclave au visage. Donc il voulait réparer son erreur. Alors il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, j'ai un esclave et je l'ai frappé au visage. Qu'est-ce que je dois faire pour me faire pardonner ce péché-là? Est-ce que je peux la libérer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Amen-la. Alors il l'a amené, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, où est Allah? Aïn Allah? Alors Al-Jariya, elle a répondu, Fis-sama, elle a dit, il est au-dessus des cieux, Fis-sama, dans les cieux. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé une deuxième question, il lui a demandé, Man ana, qui suis-je? Et elle a répondu, Anta Rasulullah, tu es le messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sahabi, au compagnon, il lui a dit, I'tiqha fa innaha mu'mina. Il a dit, libère-la car elle est une croyante, c'est une mu'mina. D'accord? Donc ça c'est une preuve en elle-même de la, et ça il est mentionné dans le livre plus loin. Sauf que j'ai voulu le mentionner maintenant pour montrer que ça c'est également une des grandes preuves pour montrer, pour prouver à n'importe qui nie cet attribut d'Allah, que Allah est au-dessus de sa création, tel qu'il s'est décrit lui-même.
et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle est une croyante parce qu'elle a affirmé justement qu'Allah est au-dessus de sa création et qu'il est dans les cieux. Maintenant, on va expliquer les versets que le cheikh a mentionnés. Le cheikh dit wa qawluhu ta'ala ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Là, le cheikh il mentionne le verset 55 dans la sourate Al-Imran qui dit « Oh Isa, je t'ai fait dormir, je t'ai élevé vers moi. » Ensuite il dit « Bal rafa'ahu Allahu ilayh » ça c'est dans le verset 158 dans sourate Al-Nisa, c'est-à-dire que les Juifs et les Chrétiens, ils n'ont pas tué Isa, ils n'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué, mais il l'a élevé auprès de lui. D'accord ? Et il mentionne une autre ayah après qui dit « إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ » C'est vers lui que sont élevées les bonnes paroles, de même que les bonnes œuvres, elles sont élevées vers lui. Donc, ensuite, ça c'est le verset dans Sourate Fatir, verset 10. Ensuite, il mentionne une autre ayah qui dit « يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ » أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Donc ça c'est les paroles de Pharaon qui demande à Haman, un de ses ministres ou quelque chose comme ça, de construire pour lui une tour. Parce qu'il dit, construis-moi une tour, puis je vais pouvoir monter dans les cieux, puis je vais pouvoir apercevoir le Dieu de Moïse. Il dit, et je crois que c'est un menteur, je crois que Moïse c'est un menteur, donc il veut demander à Haman de lui construire une tour pour essayer d'arriver à voir Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les hauteurs, hein. Donc, ensuite qu'est-ce qu'il dit, ça c'est dans le verset, dans le surat Ghafir, le verset 37. Ensuite, il y a un autre verset qui est mentionné qui dit أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez à l'abri que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est dans les cieux, ne va pas yani, vous faire avaler avec la terre, hein, et la voilà qui tremble. Et vous pensez-vous à l'abri? Est-ce que vous pensez que vous êtes à l'abri? Que celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, va pas faire tomber sur vous un ouragan de pierre? Hein? Donc ça c'est un verset qui mentionne clairement le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est fissama, c'est-à-dire qu'il est dans les cieux. Et quand on dit dans les cieux, ça veut dire dans les hauteurs. Hein? Ça c'est dans Surat al-Mulk, le verset 16 et 17. Donc le cheikh Al-Fawzan maintenant il commence à expliquer ces versets-là. Il dit « Ya Isa, خطاب من الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إني متوفيك الذي على عليه الأكثر أن المراد بالوفاء هنا النوم. » Donc le cheikh il dit que ça c'est une parole que Allah parle, il s'adresse à Isa et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à lui en disant « Je vais te أني متوفيك متوفى يعني متوفيك ça veut dire quoi selon la plupart ou la majorité ça veut dire ici dans ce qu'est-ce que ça veut dire al-wafa dans ce verset là ou dans cette parole là ça veut dire le sommeil parce que al-wafa ça peut vouloir dire deux choses ça peut vouloir dire la mort et ça peut vouloir dire le sommeil et le cheikh il mentionne la preuve de ça et il dit قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل. Donc ça veut dire c'est lui qui vous fait dormir la nuit lorsque c'est la nuit. Ça c'est dans le verset 60 dans Sourate Al-An'am et dans ce verset là c'est Allah utilise le mot al-wafa ou ce verbe là pour parler du sommeil et non de la mort. Et également il mentionne une autre preuve de ça, c'est dans Sourate Az-Zumar. Allah il dit « Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha » Donc Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il fait, il prend les âmes des hommes lors de leur sommeil, hein? Il prend les âmes des hommes lors de leur sommeil et celle qui est
morte, il la garde, celle de la personne qui meurt, il la garde, et celle qui dort seulement, il la remet, jusqu'à un terme réservé. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha, wallati lam tamut fi manamiha, fayamsiku allati qada 'alayha al-maut, wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Donc, ça c'est dans le verset 42 de Sourate Az-Zumar. Et après, il dit, wa rafi'uka ilayya, c'est-à-dire, et je vais t'élever auprès de moi, et rafa'ahu Allahu ilayhi fi as-sama wa huwa hayy. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter vers lui dans les cieux alors qu'il était encore vivant, c'est-à-dire il n'était pas mort. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa hadha mahallu shahid wa huwa ithbatu al-ulul lillahi li'anna ar-raf' yakunu ila a'la. Et ça c'est la preuve dans le verset, le fait qu'Allah dit wa rafi'uka ilayya, je vais te faire monter vers moi. Donc ça, c'est une preuve que lorsque tu utilises rafa'a, c'est-à-dire monter, et donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les hauteurs, il est au-dessus de sa création. Wa qawluhu bal rafa'ahu Allahu ilayh, hadha raddun 'ala al-yahud alladhina yad'una annahum qatalu al-masih Isa ibn Maryam. Allah dit, mais plutôt il l'a élevé vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Isa vers lui, et ça c'est une réponse aux juifs qui ont prétendu qu'ils ont tué Isa ibn Maryam. Le cheikh il dit par la suite, فقال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلى قوله وما قتلوه يقينا. C'est le verset 157 dans sourate An-Nisa. Ça veut dire, ils ne l'ont certes pas tué, ils ne l'ont pas non plus crucifié, mais c'est une chose qui leur a paru ainsi. Okay? C'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place, et eux ils s'imaginent qu'ils ont attrapé Isa, alors qu'en réalité, ils ont attrapé quelqu'un d'autre, et c'est lui qui a été crucifié à sa place, et c'est lui qui a été tué à sa place, et non pas Isa. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de ce verset, et ils ne l'ont pas, et c'est certain qu'ils ne l'ont pas tué. Ensuite, le cheikh dit, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait élever, et il l'a fait monter vers lui. أي رفع الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام إليه وهو حي لم يقتل وهذا محل الشاهد لأن فيه إثبات علو الله على خلقه لأن الرفع يكون إلى أعلى. Donc ça c'est un autre argument pour réfuter les gens de Bid'a. On peut leur dire que Allah il a élevé Isa vers lui et il l'a fait monter vers lui dans les cieux alors qu'il n'était pas mort et que personne ne l'avait tué. Et ça c'est une preuve qu'il est au-dessus de sa création, parce que lorsqu'on fait monter quelque chose, ça veut dire que on le fait monter de vers le haut. Et donc par la suite le cheikh il dit wa qawluhu ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib ila Allah subhanahu wa ta'ala la ila ghayrihi yantafi'u al-kalimu at-tayyib ay al-dhikr wat-tilawa wad-du'a. C'est-à-dire les bonnes paroles, comme par exemple la lecture du Coran, le dhikr et les du'as, tout ça, ça monte vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et c'est pas vers personne d'autre que ces paroles-là montent. Et « wal amalu salih yarfa'u » et Allah subhanahu wa ta'ala, il élève les bonnes œuvres également. « Al amalu salih yarfa'u al-kalimu tayyib » Ah, ok, ça c'est une autre explication, c'est-à-dire que c'est les bonnes œuvres qui font monter les bonnes paroles, parce que quand tu fais des bonnes actions, ça fait élever, ça fait monter tes paroles vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna al-kalimu at-tayyib la yuqbalu illa ma'a al-'amal as-salih. C'est-à-dire les bonnes paroles sont uniquement acceptées avec les bonnes œuvres. Faman dhakara Allah تعالى ولم يؤدي فرائضه رد كلامه. Donc c'est-à-dire celui qui a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala mais qui n'a pas établi ses devoirs et ses obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais sa parole va être ramenée vers lui ou renvoyée vers lui. OK. Et قال إياك ابن معاوية لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. C'est-à-dire si tu ne fais pas les bonnes œuvres, eh bien, ta parole ne sera pas montée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Hasan wa Qatada la yaqbalu qawl illa bi'amal. C'est-à-dire,
Qatada et Al-Hassan Al-Basri et Qatada, ils ont dit les paroles, elles ne seront pas les actions, non, les paroles ne seront pas acceptées, excepté si elles sont mises en application. Tu ne peux pas juste parler, parler, il faut aussi que tu agisses et que tu mettes en application qu'est-ce que tu dis. Ensuite, le cheikh dit « وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ فِيهَا إِثْبَاتُ عُلُوِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ لِأَنَّ السُّعُودُ وَالرَّفْعُ يَكُونَانِ إِلَى أَعْلَى » Et donc, la preuve dans ce verset-là, c'est le fait qu'Allah dise que les paroles et les actions sont élevées vers lui. Hein. Donc, ça prouve que Allah est dans les hauteurs, au-dessus de sa création, car on ne dit pas que quelque chose monte ou s'élève, excepté vers quelque chose de plus haut. Ensuite, le cheikh dit « Wa qawluhu, ya Haman, ubni li sarhan, hadha min maqulati Fir'aun li wazirihi Haman, ya'muruhu an yubni lahu qatran manifan aliyan, la'alli ablughu l'asbab, asbab al-samawat, ay turq al-samawat, ou abwabiha. » C'est-à-dire, Fir'aun, il dit à son ministre Haman, il lui commande de lui construire une grosse tour très haute et pour arriver à atteindre les chemins des cieux ou bien les portes des cieux. Hein, et il s'imagine qu'il va être capable d'arriver là jusqu'en haut. Donc il dit فأطلع إلى إله موسى بالنصر بأن مدمرة مدمرة بأن مدمرة بأن فأطلع منصوب بأن مدمرة بعد فاء السببية ومعنى مقالته هذه تكذيب موسى عليه السلام في أن الله أرسله أو أن له إله في السماء ولذلك قال وإني لأظنه كاذبا. C'est comme si Pharaon disait, je ne crois pas qu'est-ce que Moussa il dit qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il dit, fais-moi une tour pour que je montre vers le haut là, pour que je vois dans le ciel. Est-ce que c'est dans les cieux? Est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit là? Je ne crois pas que c'est la vérité. Donc c'est comme si une façon de démentir les paroles de Moussa alayhi salam. Ay inni la azunnuhu kadhiba ay fi ma yad'ihi min ar-risala. أو فيما يدعيه بأن له إله في السماء. Donc, يعني les gens de bid'a, يعني les gens de bid'a, يعني أعوذ بالله, ils disent, regardez les salafis là, ils utilisent les paroles de Pharaon, un kafir, pour essayer de prouver que Allah est au-dessus des cieux. يعني, et ils ne comprennent pas en fait que si Pharaon dit ça, c'est justement parce que Moussa lui a dit que Allah est dans les cieux, yani. Sinon il n'aurait jamais dit une chose pareille. Donc bien entendu les gens de Bid'a, yani, si les versets ne peuvent pas les convaincre et les hadiths clairs ne peuvent pas les convaincre, alors rien ne peut les convaincre, excepté si yani, ils sont sincères et ils acceptent de reconnaître la vérité, peut-être Allah peut ouvrir leur cœur. Après le cheikh il dit « وَالشَّاهِدْ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ فِيهَا إِثْبَاتُ عُلُوِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ » Il dit, la preuve dans ce verset-là, c'est que Allah a affirmé qu'il est au-dessus de sa création. Parce que Moussa, حيث أن موسى عليه السلام أخبر بذلك وحاول فرعون في تكذيبه. C'est-à-dire parce que Moïse, il a affirmé ça, il lui a informé de ça, que Allah est au-dessus de sa création, et lui, Pharaon a essayé de le traiter de menteur à ce sujet-là. Ensuite, il dit, وقوله تعالى, أأمنتم الأمن ضد الخوف. يعني, أأمنتم, c'est une question. Ok? Et ça veut dire, الأمن, c'est quoi? C'est la sécurité. C'est d'avoir, c'est de se sentir en paix, en sécurité, et c'est le contraire de la crainte, الخوف. Donc, est-ce que vous pensez que vous êtes en sécurité? Que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, qui est dans les cieux, manfis sama, ay, عقوبة من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى ومعنى في السماء أي على السماء كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل وهذا إن أريد بالسماء السماء المبنية وإن أريد بالسماء
مطلق العلو ففي ففي للظرفية أي في العلو أن يخسف بكم الأرض. Donc qu'est-ce qu'il dit ici le Cheikh? Il dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est fissama, ça veut dire qu'il est au-dessus des cieux. Parce que, comme le Cheikh il dit, on utilise fi avec la signification de ala. Fi avec la signification de ala. Bon, comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il dit قل سيروا في الأرض فانظروا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إلى آخر الآية. يعني donc Allah dit par exemple dit circulez ou allez sur la terre, promenez-vous sur la terre et regardez qu'est-ce qui a été la conclusion de ceux qui ont prêté de mensonges les messagers etc. Donc سيروا في الأرض ça veut pas dire entrer dans la terre, ça veut dire aller sur la terre. Et donc c'est pour ça que dans la langue arabe, on peut dire fi, mais ça veut dire ala, ça veut dire sur. D'accord? Le cheikh il donne un autre exemple, et on va vous crucifier sur le tronc de l'arbre ou du palmier. Ça veut pas dire fi juzu al-naql, ça veut pas dire dans le tronc de l'arbre, ça veut dire sur le tronc de l'arbre. Donc, ou de tronc de palmier. Donc, c'est une des utilisations de fi dans la langue arabe, ça peut vouloir dire ala. Et eux, ces gens-là, parfois, ils comprennent pas ça. Et donc, ils s'imaginent que lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est fi sama, qu'il est dans les nuages et dans le ciel. Donc, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est au-dessus du ciel et au-dessus des nuages et au-dessus de toute sa création. Il n'est pas mélangé avec sa création. Et également, le cheikh, par contre, il dit ça, c'est dans le cas où on voudrait dire le ciel tel qu'on le connaît, là, le ciel avec les nuages et les sept cieux, etc. Mais si on veut dire al-sama, parce qu'une des significations dans la langue arabe pour le mot sama, ça veut dire al-ulu. C'est-à-dire, dans la langue arabe, tout ce qui est en haut de toi, ça s'appelle sama. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, par exemple, ونزلنا من السماء ماء. On a fait tomber du ciel une pluie. Et tout le monde sait que la pluie ne tombe pas du ciel mais des nuages. Donc, quand on dit que la pluie tombe du ciel, ça veut dire qu'il tombe d'en haut. D'accord? Donc, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est fi sama, ça veut dire fil ulu. Il est dans le haut, il est dans les hauteurs. Il n'est pas, autre part que au-dessus de sa création. C'est-à-dire, il est tel qu'il s'est décrit. Tandis que les gens de Bid'a, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. Donc, ils nient complètement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une façon de nier son existence. Et l'athéisme, c'est pas juste de dire, je crois pas qu'il y a un Dieu qui existe, mais c'est de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu nies deux ou trois ou une seule attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu nies qu'est-ce qu'il s'est décrit, et tu le nies lui aussi, parce que ça fait partie de lui. Si tu dis, je crois en tous les attributs d'Allah excepté par exemple le fait qu'il est au-dessus de sa création, alors que c'est Allah qui se les décrit lui-même, donc tu nies l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis, je crois pas que Allah est Rahman. Ça, tu nies Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as refusé de croire en une des attributs les plus importantes parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est un acte de kufr, il n'y a pas de doute. Et donc, eux, ils disent, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas. Et la façon dont ils parlent à propos d'Allah de cette façon-là, c'est comme s'ils nient son existence. Ils disent, il n'est pas dans un endroit, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. Donc ça veut dire qu'il est nulle part. Et on a posé la question à ces gens-là, si vous voudriez décrire le néant, on leur a dit, si vous voulez décrire le néant, vous ne pouvez pas trouver de meilleure définition pour le néant que cette définition-là. Quelque chose qui n'est pas en haut, qui n'est pas en bas, qui n'est pas à gauche, qui n'est pas à droite, qui n'est pas à l'intérieur du monde,
qui, et qui n'est pas à l'extérieur du monde. Ce n'est pas à l'intérieur de la création qui n'est pas à l'extérieur de la création. Donc, il est où? Il est nulle part. Hein? Et donc, c'est pour ça que on leur a dit, vous, vous essayez de nier qu'Allah est au-dessus de sa création parce que vous ne voulez pas faire de ressemblance entre Allah et sa création, et vous faites ressembler Allah au néant. Hein? Et vous comparez Allah au néant. Et ça, c'est aussi grave que de le faire ressembler à sa création. D'accord. Donc, le cheikh, par la suite, il dit, وإن أريد به مطلق العلو ففي للظرفية أي في العلو أن يخسف بكم الأرض أي أن يقلعها بكم كما فعل بقارون فإذا هي تمور تضطرب وتتحرك. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez en sécurité que celui qui est dans les cieux ne va pas vous faire avaler avec la terre, c'est-à-dire que la terre va, il ne va pas faire en sorte que la terre vous avale comme Allah avait fait pour Qarun, فَإِذَا هِيَ تَمُورُ la voilà qui bouge et qui commence à trembler. أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أي حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ كَمَا أَرْسَلَهَا عَلَى قَوْمِ لُوطٍ وَأَصْحَابِ الْفِيلِ فَفِي سَحَابٍ وَقِيلَ سَحَابٌ فِيهَا حِجَارَةٌ وَقِيلَ رِيحٌ فِيهَا حِجَارَةٌ. Donc le cheikh il dit, est-ce que vous pensez en sécurité que celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, fasse tomber sur vous des pierres du ciel, comme il a fait tomber sur le peuple de Lot et sur le peuple des gens de l'éléphant, Ashab al-Fil. Il y en a qui ont dit que c'est un nuage qui est rempli de pierres qui fait tomber des pierres sur les gens, il y en a d'autres qui ont dit que c'est un vent, comme une tornade qui est remplie de pierres, ok. Et le cheikh il dit par la suite, فستعلمون كيف نذير أي إنذاري إذا عينتم العذاب لا ينفعكم حين ذاك هذا العلم. C'est-à-dire, vous allez connaître comment je vous avais averti, vous allez le connaître lorsque vous allez voir le châtiment, mais cette connaissance-là, à ce moment-là, ça ne va pas vous donner aucun. Okay. Ça ne va pas vous protéger en rien et ça ne va rien vous amener et ça ne va rien vous servir. Pourquoi? Parce qu'il sera trop tard, parce que ce sera le temps du châtiment. Après le cheikh dit « وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَتَيْنِ أَنَّ فِيهِمَا إِثْبَاتُ عُلُوِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ حَيْثُ صَرَحَتَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فِي السَّمَاءِ فَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ رحمة الله عليه على إثبات العلو كما دلت هذه الآيات التي قبلها على إثبات استواء الله على العرش. Donc le cheikh il dit que la preuve dans ces deux versets là, c'est qu'il y a la preuve que Allah est au-dessus de sa création, parce que ces deux versets là ont mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, hein, et dans les cieux et dans les hauteurs. Et donc il faut affirmer al-ulu comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé, et donc il y a la preuve dans ces versets-là, et les versets qui sont mentionnés auparavant, comme on a mentionné au dernier cours, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de al-arsh, istawa ala al-arsh. Et le cheikh dit, والفرق بين الاستواء والعلو أن العلو من صفات الذات والاستواء من صفات الأفعال. Donc le cheikh dit, parmi les distinctions entre l'istiwa et al-ulu, c'est-à-dire l'istiwa c'est le fait qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, et al-ulu c'est-à-dire qu'il est au-dessus et qu'il est élevé, c'est que al-ulu ça fait partie des attributs de son être, c'est-à-dire ça fait partie de son être d'être qu'il est élevé et qu'il est haut. Et également, et la différence avec al-istiwa, c'est que l'istiwa par contre, ça fait partie de ses attributs ou des attributs de ses actions. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Il s'est élevé quand il veut. Il se lève comme il veut et quand il veut. Tandis que al-ulu, ça reste toujours avec lui. Il s'en départ jamais. Il est toujours haut et élevé. Au-dessus de tout. Et le cheikh dit, fa'ulullah ala khalqihi wasfun lazimun li dhatihi wa l'istiwa. فعل من أفعاله سبحانه يفعله سبحانه وتعالى
بمشيئته وقدرته إذا شاء، ولذا قال فيه ثم استوى، وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض. Donc le cheikh il dit donc que al-ulu ça fait partie de, des attributs de son être, et c'est une attribut qui reste toujours pour lui, qui reste toujours avec lui, il ne s'en sépare jamais de cet attribut là, tandis que al-istiwa ça fait partie de ses actions, et donc il le fait selon sa volonté et selon sa puissance quand il veut, et c'est pour ça qu'il a dit summa istawa, c'est-à-dire et ensuite il s'est élevé, c'est-à-dire après avoir créé les cieux, ensuite il s'est élevé au-delà de son trône. D'accord? Donc après le cheikh dit wa anna al-ulu min as-sifat ath-thabita bil-aql wan-naql wal-istiwa thabitatun bil-naql la bil-aql. Donc une autre distinction entre al-istiwa et al-ulu, c'est que al-ulu on peut l'affirmer même par la raison, même par la raison et par la raison est par les textes, tandis que al-istiwa c'est uniquement par les textes qu'on peut l'affirmer, parce que c'est révélé dans le Coran, mais on ne peut pas l'affirmer par la raison, parce que si Allah ne nous l'avait pas dit, on ne pouvait pas le connaître qu'il était au-dessus de son trône. Donc le cheikh il dit comme par exemple il y a des arguments pour prouver logiquement que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, et c'est le fait que lorsque par exemple on a, ça c'est plutôt peut-être un argument basé sur la fitra, que lorsque quelqu'un est en détresse et qu'il a un malheur et qu'il a besoin d'aide, il se tourne toujours vers le haut, il est toujours prêt à lever ses mains vers le ciel et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tout le monde sait que il doit se diriger vers le haut pour demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose également lorsque tu demandes à des petits enfants parfois où est-ce qu'il est, Allah, ils savent tout de suite, il est dans le ciel, il pointe vers le ciel, ils le savent, et ça, ça fait partie donc de la fitra, d'accord, donc ça fait partie des arguments de ça, et puis il y a beaucoup d'autres également des arguments de ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'Isra wa al-Mi'raj, il s'est élevé, Allah l'a fait monter vers lui, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé la salat directement, parce qu'il est monté en haut dans les cieux, donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala il est dans la direction de Al-Fawq, il est Fawq, il est au-dessus, et également le fait que quand il a fait Hajjat al-Wada', le dernier Hajj, le Hajj d'adieu, il a fait son serment et il pointait vers les Sahaba, Antum mas'ouluna anni famada antum qa'ilun, est-ce que j'ai transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il disait oui, tu as transmis le message, alors il pointait vers le ciel et disait Allahumma fashhad, ou Allah témoigne, tandis que les gens de Bid'a, certains parmi les Asha'ira, ils ont dit si quelqu'un pointe vers le haut en voulant dire que Allah est vers le haut, il faut lui couper le doigt, ça c'est des gens qui on contredit la sunna, et donc ça veut dire qu'il devrait couper le doigt du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pointé vers le haut. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.